neige. On va raconter une petite histoire avec Robin. On est sur le marché de Versailles-Mini, à la Ferme des Arts. Et il y a un an tout poil, mon stand était juste là-bas, là, sous la grange. Et ça, c'était il y a un an tout poil. Ouais. Et c'est le truc que je voulais vous dire. J'avais fait une annonce, genre, je vous annonce un truc important. Deux mois plus tard, j'ai toujours rien dit. On le fait ça maintenant. Là, ça fait un an tout poil. Et en un an, j'ai quitté mon travail. Ou on m'a fait quitter mon travail. J'ai créé ma boîte. Et de tournage de bois, fabrication de bois. Et aujourd'hui, je suis de retour sur le marché de Noël. On va rentrer dans la tente. On va finir d'installer pour le deuxième jour. Et après, on a un petit projet qu'on doit finir ensemble. Donc, allez, c'est parti. La bonne blanquette. C'est de finir cette tente. J'avais commencé, il n'y avait pas le temps de finir pour le marché de Noël. Fait avec un bon tourné. Ah, attendez. Donc, j'ai ramené tous mes outils parce que. Hop. On va faire un peu de poussière dans les stands, c'est pas très grave. Toc. Donc j'ai tourné ce bol très très fin et ça permet de faire diffuser la lumière en fait. Donc. Montre à quel point. C'est un magnifique bol, c'est légèrement défoncé parce qu'il est très très fin, ça fait un parfait chapard. C'est la couronne de Camelot, non? Ouais. J'ai pris du fil au cas où s'il en faut. Rattraper avec le pied. Tu démontes. J'ai pris du fil et une prise au cas où s'il nous en faut, mais on va démonter une des lampes. Mmh. On va déjà passer le trou, j'ai pris un modèle pour avoir la bonne taille. Voilà mon nouvel établi. Il est beau, hein. Hop. Il s'appelle Ikea ton établi. Il s'appelle chaise plastique. Mais avec deux points sur le i. Et un K. Et un K. Plastique. Pour plastique. Alors hop. Ça aussi tu vends? La trousse Ryobi bien sûr. Tout ici FM. Bon par contre ça s'est fait même mais par des chinois. On peut pas dire ce genre de choses au début du monde. Coupez, coupez. Alors, j'espère que j'ai de la batterie. On va commencer par pré-percer par un fourré. Vous voyez, vous avez pas besoin d'atelier pour travailler. Tout ça dans son atelier avant. Découvrez ma formation, comment bricoler sur une chaise. Je dois de la fumée. Hein, oui, il y a une bonne idée aussi, c'est de prendre des mèches à bois pour percer du bois. Fumer, ouais. Normalement, ce fourré est assez grand. J'ai mis ça juste avant de partir, donc on va voir. Je travaille comme les Japonais, assis sur mes talons. Faut juste espérer que tu puisses te relever derrière. Je vais comme le phoque. Ce qui est bien, c'est que c'est pas bruyant. Personne. Hop, la technique vous passe, ça perce comme un. Ouais. Je vais enlever ce que j'ai fait des copeaux. C'est la magie de Noël. Ça, c'est une technique homologuée par. Ouais. Franchement, c'est là que je pourrais tout casser le bois. T'as pas un peu de bien mettre dessus? Voilà. Quel génie! Un rossignol! Voilà, donc on a un trou. Et normalement, ça devrait pas être ça maintenant. C'est le devrait que j'aime pas. Au pire, j'ai pris le papier à poncer. Alors, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ah si, j'ai pris un fourré spécial pour ça. Technique pour cacher les évidences. Bien sûr, là, le chauffage soufflant. Oh putain. Quelle bonne idée. Là, t'as une grosse. La magie de Noël. J'ai pris une truc à cône, c'est pas la meilleure solution. Alors là par contre c'est le. J'ai mes lunettes de sécurité. Regardez mon oncle, je l'ai avec ligne des yeux. Ah, c'est comme ça qu'on tourne. Voir, ouais. Je suis pas sûr que ça soit le bol de bruit. Non. T'es sérieux? Ouais. Merde. Bah tu fais la lampe comme ça, c'est pas grave.
Regardez la lune. Oh. La tristesse. Y'a rien qui va, ça va dans cette vidéo. Y'a rien qui va. Je crois qu'on va passer une bonne journée. Alors en effet, il va falloir trouver un truc pour percer. Tu vas mettre ta main en dessous. Tiens le bol comme ça. Alors en filmant. C'est une blague, hein, mais. Ouais. Non, mais... À deux, le pouvoir de l'amitié fera tout, Thomas. S'il te plaît, ne fais pas de mal. On va éviter de le casser surtout. C'est pour ça que je vais tout doucement. Mmh. Ça va faire dans l'autre sens. Ça sent bon le French show. Hein ouais. Pause. En fait, il est juste débile. J'en ai encore les yeux. Ok. On va sacrifier une des lampes. Un couteau. Toi tu crèves. Couteau dans mon sacoche. C'est laquelle la plus moche? T'es allé très vite sur ton choix. Tiens, attends, je coupe. C'est là où on a un petit souci. Si, j'ai tout fait ça pour rien. Là, c'est que moi, t'as collé aussi? Non, j'avais prévu que ça passe là. Le fil ouais. Non, c'est qu'une fois que ça serre, tu peux pas vraiment le démonter, faut vraiment le forcer. Allez, monte ta force. Apparemment, j'ai de la force. Mais qui est l'homme? Comme... Je vois bien que t'as pas compris. Je... J'essaie de visualiser dans ma tête. Je vais t'expliquer doucement. Non, mais c'est pour les viewers, c'est pas pour moi. Parce que du coup, les fils, tu les passes en dessous, les épitailles, ils seront en dessous. C'est ça. Et après, t'as le cache qui revient, et du coup, voilà, tu vas les viser par au-dessus, et du coup, ça tient en dessous. Ok. Donc, tu nous as fait chier pour rien depuis tout à l'heure. Je comprends vite, mais pour expliquer longtemps, oui, je fais chier. Ça, je l'ai compris vite, ça, que tu. Moi je t'ai fait venir pour avoir du soutien, pas pour... Ah, c'est trop petit. Tu peux tenir la forêt. Pardon. Quand ça tourne ou après? Le mandrin. Apprenons le vocabulaire. Le zip zip perce perce. C'était bien dans ma tête avant que je le sorte. Mais là, t'es sûr que c'est dans ce sens? Oui. Ah, tu l'as mis vers le bas. Ça commence à arriver là, c'est bien. Par contre, il neige plus. La magie de Noël, c'est fini. Il neige plus? Non. Quand tu sais? Bah, je le vois. Je le sens dans mes os. J'ai même pris le papier à poser. Et du coup, c'était un ami? C'est mon frère. Ah, t'as un frère? Tu as jamais parlé, toi? Encore un plot twist. C'est mon frère! Mais t'as aussi dit? Ah, là, je vais très mal le prendre. Ah, mais si, avec qui tu fais les guitares et tout ça. Oui, voilà. Okay, c'est celui-là. Bah, la guitare. Les guitares. On va déjà en finir une. On a mis le temps d'en faire des guitares, mais on en a fait qu'une seule. C'est ça. Elle va finir. On n'entendra pas la voix, on va mettre la musique de Benny Hills quand on va te regarder faire le bricolage. Non, c'est pas celle-là en plus. Hop. Est-ce que je tourne ou je le laisse accrocher? Moi, je ferais une torsade autour du... Ouais. Il y a un côté un peu... organique. Genre c'est une liane un peu qui a poussé sur... C'est toi l'organique. S'il vous plaît, moi enfin. Ça aussi c'est un avis de Thomas. Oui. C'est de pire en pire, faut arrêter. Non mais, t'as déjà vu le niveau qu'on fait avec les guitares là. Je tiens le machin peut-être. Ouais. Le knob. Et la lumière fuse. Hop, allez, ça on va tient bien. On va voir si ça fonctionne. On la met où? On la met entre les deux? Ouais, de toute façon là où t'as de la place, hein, mon grand. J'ai envie de taper ton bol, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Je suis un chat, moi je vois un truc suspendu, j'ai envie de taper dessus. Et voilà. Eh hey. Ouais, ça fonctionne. Ça rend bien. Il y a beaucoup de lumière autour, mais... C'est pas éblouissant. Je pense en lampe de chevet, c'est super parce que vraiment, c'est ça, ça fait une petite lumière tamisée ouais. Ici. Et ça éclaire le moment du plan Travelling Dream. Tin, 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 la, la, la. Wouh! C'est quoi, je sais où on va la mettre? Wow. Comme ça, ça éclaire tout. Tu mets en valeur le somptueux bois. C'est du tuyas, ça? C'est quoi? C'est du pommier? Du cerisier. Du cerisier? C'est du pommier, ouais. Oui, ça se voit. C'est du bois. C'est du bois d'arbre? Allez, c'est béni. À la prochaine. Et voilà, on est de retour, comme d'habitude, dans mon garage, ou mon atelier maintenant, pour faire le résumé de cette vidéo. Donc, comme vous l'avez compris, il y a un an, j'ai fait mon tout premier marché, qui était le marché de Noël à Vers-Saint-Denis. Ce jour-là, je me suis rendu compte que ce que je faisais plaisait aux gens.
et que je pouvais peut-être en faire quelque chose. En un an, la vie a fait que j'ai quitté mon travail et j'ai créé mon entreprise en octobre dernier où je fabrique donc c'est TSG Makes et je fabrique donc pour le moment des objets en bois et je fais également des meubles pour des particuliers et aussi la découpe laser, l'impression 3D, enfin tout plein de choses comme vous savez déjà ceux qui me regardent et qui me connaissent. En tout cas, ça a été un très gros changement pour moi, une sorte de quand même une grosse prise de risque parce que bah, je ne suis pas tout seul, j'ai aussi ma famille que je dois soutenir et pas soutenir, mais enfin, il faut pouvoir mettre la nourriture sur la table et payer la maison, donc c'est quand même un gros risque pour moi, mais je n'ai jamais été, alors je n'ai jamais été aussi stressé et je n'ai jamais été autant, non pas stressé, je n'ai jamais autant travaillé que maintenant. Il y a aussi des moments qui sont extrêmement stressants, mais je n'ai jamais été aussi heureux que de travailler pour moi-même et de faire que ce que j'aime. Et en 2024, mon but, c'est de faire en sorte que cette entreprise fonctionne et que je puisse. Mon vrai but secret, c'est de pouvoir embaucher quelqu'un que vous avez déjà sûrement vu sur cette chaîne, où on fait certains projets. Pardon. Oui, que mon but secret, c'était d'embaucher quelqu'un que vous avez sûrement vu déjà sur la chaîne. On fait quelques projets ensemble. Et afin de m'aider à faire les vidéos et à travailler sur des projets clients, donc c'est mon but secret pour la fin d'année 2024. J'espère que je vais réussir à le réaliser. Et tout ça va aussi dépendre de vous qui me regardez, puisque une partie de ma entreprise, c'est également de créer du contenu dans cette chaîne. Vous partagez mes projets, ce que je fabrique, etc. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Et également suivez-moi sur Instagram, vous pouvez également acheter tout ce que je fabrique sur Etsy, enfin, certaines de mes créations sur Etsy. Et en tout, voilà. Je pense qu'il est temps de finir cette vidéo, elle va déjà être assez longue. En tout cas, je souhaite déjà remercier toutes les personnes qui me suivaient avant que je créais mon entreprise. Je remercie également les nouvelles personnes qui vont me suivre. Vous allez voir, ça va être une grande aventure avec plein de choses, le projet et tout, on va bien s'amuser, je pense. Et pour terminer cette vidéo, je vous souhaite tout à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et ouais, 2024 va être super intéressante. Allez, à plus. Et si tu dis au revoir, parce que t'es la mascotte quand même, viens la manger. Hop, Nessie, qui est quand même un peu la mascotte de ma chaîne, qui est également sur mon logo. On dit au revoir? Bonne année 2024! Allez, à bientôt!